Audrey. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Monsieur, sous prétexte que leurs notes ne leur plaisent pas, vos enfants ont détruit le matériel scolaire de leur classe. On a vérifié. Le matériel n'est pas réparable. Donc, il faut que le collège en rachète. Vous comprenez que cela mérite une sanction? Monsieur, en attendant le conseil de la classe, vos enfants seront renvoyés 2 jours du collège. Cela leur permettra de réfléchir à leur comportement. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Monsieur, cette nuit, Amine est parti de chez lui. Son père était à l'entrée du collège et il m'a demandé si je savais où il est. Ah, moi aussi, mais on ne sait pas. Silence. Et asseyez-vous. Apparemment, Amine a disparu de chez lui. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une parmi vous qui saurait où il se trouve? Non. Qu'il a fugué. Son père a dû encore le corriger. Lorsqu'il n'a pas le moral, il se réfugie dans une maison abandonnée de la Casbah. On ne dit rien. Et après le collège, on va voir dans la Casbah. Il est là! Il est là! Amine, c'est nous! Pourquoi t'es-tu sauvé? C'est à cause de ton père? Il te cherche partout! Je ne veux plus le voir! Si je rentre, il va me gifler! Mais tu ne peux pas rester ici! Demain, je partirai. Comment ça? Tu partiras? Et où? Tu n'as pas d'argent. Cette nuit, j'irai voir le voisin de Jawad. L'autre jour, il m'a dit que si j'avais besoin d'argent, il m'aiderait. C'est un dealer. Il ne va pas t'aider. Il va te prêter de l'argent et t'obliger à vendre sa drogue pour que tu le rembourses. Il ne te laissera pas quitter la ville. Et quand tu l'auras remboursé, il t'obligera à continuer de dealer pour lui. Et tu finiras en prison. Je ne retournerai pas chez moi. Bon, d'accord. Mais tu ne vas pas voir le voisin de Jawad. C'est trop dangereux. On va trouver une autre solution. Oui. Mais il n'y en a pas d'autre. Si. Nous, on va en trouver une. Oui. Écoute, tu restes là et on te promet que demain, après le collège, on reviendra t'aider. D'accord? Tiens, prends. C'est pour toi. Cette nuit, il va faire froid. Tu me rendras demain. Au revoir. À demain. À demain. Thank you.
Monsieur Jalal a tout arrangé. Tu dois avoir faim? Ce midi, je souhaitais aller voir tes parents. Ils sont inquiets. J'ai longtemps bavardé avec ton père. Ce qu'il veut, c'est que tu réussisses à l'école pour pouvoir choisir un métier moins dur que le sien. Lui, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école à 8 ans et travailler déjà. Alors, il n'admet pas que tu perdes ton temps à regarder la télévision au lieu de faire tes devoirs. La télévision, je la regarde. Forcément. Il est toujours allumé. Vous avez vu la maison. Deux chambres pour toute la famille ouvertes sur la cuisine. Mes petits frères et sœurs n'arrêtent pas de disputer ou de brailler. Comment et où voulez-vous que je fasse mes devoirs? De toute façon, ce n'est pas une raison pour me filer des claques. Je lui ai dit qu'il fallait mieux discuter les choses au lieu de sévir. Mais il paraît que chaque fois qu'il te parle, te quitte la maison pour aller traîner avec des voyous. Ce n'est pas des voyous. Et mon père, il ne parle pas. Il hurle. Forcément, c'est moi qui ai tort. De toute façon, j'ai toujours tort. Non. Si, vous-même, vous le défendez. Calme-toi, Amine. Je ne le défends pas. Il ne devrait pas te frapper. Il le reconnaît. Mais vous êtes tous les deux entrés dans une spirale conflictuelle telle que vous ne pouvez plus communiquer. Alors, ensemble, on va essayer de calmer le jeu. Ton père va faire un effort pour ne plus se mettre en colère. De ton côté, tu dois faire tes devoirs. À la maison, c'est impossible. Tu peux revenir chez moi. On travaillera ensemble. Il y a de la place. Et le soir, je suis tout seul. Et tes parents? Mes parents sont en bas au magasin. Ma mère m'entend de temps en temps. Ils me surveillent. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Moi, je veux bien. On s'en va. Viens, ton père t'attend au collège. Ouvrez. Amine. Ton papa s'engage à ne plus te frapper. Mais de ton côté, il faut que tu fasses des efforts. Pour le devoir de soir, Ashraf propose qu'il les fasse ensemble chez lui. C'est mieux que chez nous? Non. Ashraf est seul. Il aura donc moins de bruit. Et c'est un bon élève. Il pourra aider Amine. Mais qui vous dit que nous ne vont pas aller traîner? Je vais aller voir les parents d'Ashraf. S'ils sont d'accord, on pourra faire un essai. Les deux jours d'exclusion sont passés. Suite aux recommandations de la cellule d'écoute, le conseil de classe vous offre la possibilité de vous racheter en travaillant sérieusement. Par conséquent, demain, toi et Jawad, vous revenez en classe. Jawad est ton copain, mais il n'a pas une bonne influence sur toi. Alors attention. Bon, je propose qu'on se revoie tous dans 2 semaines pour faire le point. D'accord ?